Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Jason ou Tenzin Gawa, mon nom de moine. Donc je suis très content aujourd'hui de faire une petite vidéo avec vous pour vous présenter un projet qu'on a pensé pour commencer l'année prochaine en 2021, en janvier prochain. Mais juste premièrement, je vais un peu vous présenter notre centre. Notre centre s'appelle le Centre Paramita, qui a été initié, fondé par un maître tibétain qui s'appelle Lama Samten, qui a étudié dans un monastère tibétain qui s'appelle Ganden, dont le monastère Ganden Jangtse au Tibet. Et Lama Samten donc, a complété ses études pour devenir un docteur en philosophie bouddhiste, qu'on appelle un geshe, dans ce même monastère, dans cette même université monastique de la philosophie bouddhiste tibétaine qui a été reconstruite en Inde, dans le sud de l'Inde. Donc, Lama Samten, qui a étudié dans cette même lignée que Sa Sainteté, le Dalai Lama, est venu au Québec la première fois en 1997-98. Et après avoir vu l'intérêt vraiment très fort des gens de connaître la méditation et la philosophie bouddhiste, il s'est tranquillement installé au Québec et donc a fondé le centre. Donc, notre centre, maintenant, on offre un programme où il y a beaucoup de cours, beaucoup d'activités, beaucoup de formations. La base de ce programme-là, en fait, qui est toujours en suivant la même tradition qui vient du Bouddha depuis 2500 ans, qui a été reproduit au Tibet et donc qui est arrivé aujourd'hui en Occident depuis quelques décennies. Donc, ce programme-là que Lama Samten a créé, en fait, et pour expliquer aux gens au départ, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on donne les cours qui sont les formations sur la méditation, la méditation du calme mental, comment développer l'attention, la vigilance pour calmer notre esprit. C'est ce qu'on a tous besoin, évidemment, dans la vie. Et aussi sur comment comprendre nos émotions, comment fonctionne notre esprit, comment être heureux. Donc ça, c'est des cours qu'on donne à notre programme pour vraiment s'initier, pour apprendre un peu à comment fonctionne notre esprit, nos émotions, etc. Puis trouver plus de calme en essayant de développer un peu plus de concentration. Donc comme ça, c'est sûr que on s'en rend compte de nos jours de l'importance de ça dans notre vie, des fois un peu chaotique ou trop stressante, etc. Surtout dans la période qu'on vit actuellement tous, ça, dans le fond, cette période-là de crise qu'on vit présentement, pour plusieurs personnes, c'est difficile, que ce soit matériellement, que ce soit émotionnellement. Donc, ça crée beaucoup de difficultés. Donc, on se rend compte de justement l'importance de ces enseignements-là, qui étaient très utiles il y a 2500 ans à l'époque du Bouddha, qui ont été véhiculés, donc qui ont été partagés dans toute l'Asie pendant des millénaires, qui se sont rendus au Tibet il y a plus de 1000 ans, et donc qui, aujourd'hui, sont plus accessibles aussi en Occident. Donc, comme ça, nous, ce qu'on veut, c'est de faire comme le Bouddha a fait. Lama Samten, son intention en venant au Québec, ça a été de pouvoir partager ces enseignements-là, les rendre accessibles à tout le monde, parce que la philosophie bouddhiste est au-delà de toutes les frontières, de toutes les culture, croyances, etc. Ça s'adresse à tout le monde qui est intéressé. Donc, bien sûr, qu'il n'y a aucune obligation de suivre ces enseignements-là, de s'y intéresser. Par contre, ceux qui s'en intéressent, tout le monde est bienvenu. Donc, comme ça, on a fondé un programme. Donc, comme ça, ce programme-là, vous pouvez le trouver sur tous les sites web des centres Paramita ou en communiquant avec les différents centres Paramita. Présentement, on a plusieurs centres Paramita au Québec avec différents enseignants et responsables de ces centres-là. Donc, aussi, depuis quelques temps, aussi, on a des centres Paramita en France et aussi en Ontario. Donc, vous pourrez trouver un peu le programme de tout ce qu'on fait. Et aussi, particulièrement, donc, vu à cause de cette crise-là, justement, on n'a pas eu le choix de s'adapter en donnant des cours sous forme en ligne. Et donc, de cette façon-là, même si ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même énergie que d'être vraiment en personne, quand même, ça permet à beaucoup de gens de pouvoir bénéficier de ces enseignements-là. Donc, malgré la difficulté qu'on a tous à vivre présentement, dans la situation exceptionnelle qu'on a présentement. Et donc, on a pensé justement, avec Lama Samten, le fondateur du Centre Paramita, donc avec moi, et aussi probablement d'autres enseignants de notre centre, donc on va offrir à partir de janvier 2021. Donc, on propose comme ça, à partir de janvier 2021, un programme qui va s'étendre sur plusieurs mois, même là, plus qu'un an finalement. Mais on va commencer par une première tranche de 6 mois. Donc, on a pensé justement à un programme qui va pouvoir
inclure tout ce qu'on voit dans le programme d'études et de pratiques du Centre Paramita concernant la méditation, la philosophie bouddhiste tibétaine. Donc, qu'est-ce qui est possible? Parce que dans l'enseignement bouddhiste, on dit « Tous les êtres sensibles, on a le potentiel du bonheur. On a le potentiel de l'éveil ou la nature de Bouddha. » Le mot Bouddha en sanskrit, ça veut dire l'état intérieur que tout le monde, dont tout le monde possède la graine et qu'on peut justement faire croître, développer pour atteindre le vrai bonheur authentique pour le bien-être non seulement de nous-mêmes, mais de tous les êtres sensibles. Donc, c'est ça qu'on propose, comme ça, la formation, il y a plusieurs cours, les étapes de méditation, tout ça. Donc, on va commencer justement en janvier, un programme de 6 mois, donc qui est grosso modo 3 jours par semaine où on donne 1h30 d'enseignement par jour. Donc, comme ça, qui va débuter en janvier. Donc, comme ça, dans le lien de cette vidéo-là, on va mettre les liens justement pour trouver plus d'informations sur le programme. Ensuite, le lien pour nous contacter si ça vous intéresse. Donc, vous pouvez prendre le temps de regarder ça et si ça vous intéresse, nous contacter. Et même si pour vous, ce n'est pas une possibilité de suivre un tel programme plus qui demande un certain investissement de temps, etc., vous pouvez quand même regarder sur les différents sites web des Centres Paramita. Vous allez trouver plusieurs formations intéressantes qui sont offertes toujours régulièrement aussi. Donc, je vous laisse avec ça. J'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite vraiment une belle journée, belle vie aussi. C'est très important de prendre soin de son esprit et de sa santé. Donc, je vous souhaite vraiment une belle vie. Je vais faire juste une petite dédicace pour terminer qui souhaite en fait que tous les êtres puissent trouver le bonheur. Donc, on va souhaiter particulièrement justement que cette crise qui affecte beaucoup d'êtres vivants, beaucoup d'êtres humains à différents niveaux, que ce soit matériellement, financièrement, émotionnellement, psychologiquement, que ça puisse cesser rapidement, qu'on puisse trouver rapidement le bonheur, tout le monde. Je vais faire juste une petite dédicace pour terminer. Janchu semcho rimpo che ma ke panam ke gyo che kemba nyamba mempa ya kone kontu pe wa shou.